It's no use. The padlock won't give. Ouais. Cette porte ne s'ouvrira définitivement jamais. Bonjour à tous et bienvenue sur Madness Productions. Et je suis bien évidemment Dark Illyrion pour vous servir. Nous revoilà. Et oui, sur de l'appel de Cthulhu. Incroyable. C'est génial, hein. Un petit plaisir. Et oui, parce que à cause de problèmes techniques, vous savez tout, vous savez déjà tout ce qui s'est passé hein, dans la dernière vidéo de l'appel de Cthulhu, vous avez déjà eu la réponse à la question. Donc, reprenons, je ne sais plus du tout où j'en étais. Je me rappelle qu'il y avait quelque chose avec ces glands là-bas. Et peut-être avec... Ils n'ont toujours pas jeté leur cachalot. Hein. Je sais que ça, c'était verrouillé à mort, je ne pouvais plus jamais y retourner, c'est définitif. Par contre... Ah ouais, c'est ça. Il y avait une possibilité, j'avais pas exploré cet endroit. Eh ben... Gardons un petit peu de gaz, on sait jamais. Allons explorer cet endroit! On sait jamais, peut-être qu'il y a une opportunité qui s'ouvre à nous. Bonjour, inconnu numéro 2725. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. Vous n'avez pas peur? I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. C'est bien comme la VF te spoil complètement alors que la VO te dit juste 7 femmes. Ils te disent 4. Vrai plaisir. Sauf qu'on sait déjà que 4, bon, après, il faut être pas non plus le dernier des abrutis pour comprendre que 4, c'est la fille dans le bar. Mais bon, enfin, la seule femme véritablement imposante dans le bar. Et que font les contrebandiers dans cette zone? This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. Je sais pas pourquoi, une nouvelle I shall question. Take my leave. Nouvelle question vient de s'ouvrir. Alors, il veut vraiment que j'entre dans l'entrepôt, en fait. Bien évidemment, ça, c'est pas une possibilité. Non. Ce serait trop beau. C'est trop beau pour être vrai. C'est fermé, la voiture bloque la route. Pas de chemin. Non. C'est trop beau pour être vrai. Il y a un plan. Il y a un piège. Il y a un putain de piège. Il y a un bordel d'enculé de sa mère de piège. Pardon. Je dois essayer d'arrêter de trouver objet caché. La compétence objet caché permet de détecter les objets cachés à proximité une fois que tous ces objets trouvés. L'icône. Ah ah! L'icône apparaît. Ah ah. Non. Non, je sens tellement pas. Attendons avant d'ouvrir cette... oui, bien évidemment, je ne peux pas sauter parce que je suis un handicapé mental. Je ne peux pas... Je suis plus quelqu'un de prudent qui ne veut pas essayer de tomber. C'est très possible. Ok, là-dessus. Il n'y a pas. Qu'est-ce donc ? A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Oh. What the... Anti-retour. Cela se permet de soulever et de maintenir de l'eau de charge sans risque. This ratchet device seems to be usable. A handle. It must come from these old winches. Bon. Je crois que tout m'indique pour aller là-bas. It looks like there's a way in under this grate. Ça sent la merde.
La merde m'est tellement fort. Je veux dire, à un niveau supraluminique. Mais vraiment. I could use this old winch to lift the grating. Ouais. Bon, on va monter l'anti-retour d'abord. Et monter la manivelle. Petit bug technique. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas beau tout ça? Allez. Et maintenant, tire la chevillette et la bobinette, chère. Non? Non, c'est pas ça. Il y a un truc que j'ai pas compris. Il me manque un morceau. Il me manque un putain de morceau. Je ne sais pas lequel c'est, mais il m'en manque un. Où est-ce qu'il est? Où est le morceau manquant? Ce qui me dit qu'il y en a encore. C'est-à-dire qu'il manque encore un truc. Qu'est-ce que c'est? Ah ah! It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Ah d'accord, c'est parce que justement j'avais pas la lumière. Enfin, peut-être que justement il y a des trucs que j'aurais pas. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde. Ah, vous en faites pas, hein, je suis juste en train de faire de la manutention technique. Je suis en train de... Ah bah voilà. Et maintenant, on tire la chevillette. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Je le sens. Damn. Broke it. Vous êtes pas sérieux. Ah, oh. Je l'ai cassé. Mais t'es pas sérieux quoi. Ah. Oh. Hein? Well, well. A little mouse has got lost on our turf. Uh-huh. You're not only inquisitive, you're also stupid. Oh shit. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Alors déjà, elle est très 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 belle. Dire qu'elle a son petit minois. Je sais pas ce qu'il me dit. Je sais pas vraiment. Franchement, là, je préfère fermer ma gueule. Mais en même temps, fermer ma gueule, ça veut tout dire. Donc, disons que j'en savais rien. Je suis nouveau, je viens d'arriver. Your turf. That's news to me. For a guy who has no idea, you've been doing a fair bit of poking around. My men saw you staking out the Hawkins warehouse. Mm-hmm. Is that against the law? I'm no idiot, detective. Mm-hmm. I'll tell you how things work around here. Mm-hmm. I decide who comes in and who stays out. Mm-hmm. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Oh merde! Timing! Is your name Kat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Oula, synchro. Oh 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 oh. Nique ta... Aïe ta mère. Non, vous êtes... Joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. Oh mais... The fuck? Girl! I'm getting careless.
I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm gonna have to deal with her. Ah, d'accord. Ok. Oh. Je m'attendais déjà à Game Over, là, en fait, actuellement. Waouh. Elle a sorti la dague direct. Non, mais elle a même pas froid aux yeux. Genre, vraiment. C'est, d'accord. Non, mais c'est sympathique. Bon. Retentons peut-être avec les flics. Peut-être que la policiaille, la flicaille aura... Je sais pas pourquoi, mais je sens que ce truc-là va m'être très utile bientôt. Bonjour, Mr. Flicaille. Where do you think you're going? Ouais, je vais aller entendre. Allez hop, on y va direct. Bizarrement, les réponses que j'avais dit la dernière fois ne se sont pas enregistrées, alors fuck it. I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. Hey, yeah. Alors, what more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas. And the accident is affected him badly. Excusez-moi encore. Je sais pas pourquoi les vidéos n'ont pas été prises. Especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's a... You again. I told you to beat it. No need to get worked up. Ok, bon bah très bien. Donc je peux aller me faire foutre. Bon. Est-ce que donc il va falloir que je réécoute leur conversation? Ouais, I bet that you hid them somewhere in your hut. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Bien. Il y a rien dedans, je me rappelle plus. On va dire oui. Hop là. Eh ben, je sais pas comment je rentre sur ma merde. No idea. You better keep it shut. Why, we don't have a clear conscience. Quiet. What's with you wandering around here like a hungry dog? On tente le ouf. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's gonna be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Cap, she's your boss. What? You listen through keyholes. She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile of the last one who wanted to get in. I hope you had a good dentist. No, no, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. So, who are you? Are you stupid or are you- Everybody know- I've just- Let's just say we're- And we let no- Et
On sait. Je ne vais pas pouvoir leur mentir parce que de toute façon, mon éloquence est au niveau des pâquerettes. Et techniquement. I bid you, gentlemen. Je vais pas tenter le tout. Bon. Je vais devoir donc reparler aux deux poivreaux. Hein, César? You live here? Why did we saw it? Yeah. Oui, on sait. Jamais je n'aurais fait une chose pareille. Ils sont ces types qui montent la garde. Two guys. On sait. Qui is it Kat? Se débarrasser des deux gardes. Oh. Oh, c'est un vrai dent. That statue. You wouldn't be sent until. Peculiar. It's not. Isn't it a bit. We got Fitzroy. So. Voilà, bon, ça on avait déjà vu les réponses, c'était juste pour faire le truc. Se débarrasser des deux gardes, ça c'est nouveau. I have an offer that could interest you. We're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to move. Booze. For sure. Bring us something to drink and we'll take care of the bootleggers. Liquor? Exactly. I'll try to find some for you. J'ai l'impression que cette réplique va être rébarbatif, mais... Everything is coming to an end in the fucking bar. Oh yeah. He's gonna get us into trouble. Non mais faites-en un repas, un steak, j'en sais rien, faites quelque chose. Je ne dis pas là-bas il y a 5 minutes. Wow. Bon. Shit. You again. I see grounds for not right. Well, there is no. Let's say I want to buy a bottle from you. Let's say I don't want to sell you one. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? What do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I... Why not? First off, sailor's green, scooting that butt, any... That'll be all for now. Et vous allez me dire que je peux pas piquer cette bouteille. Bon, bien évidemment, cette meuf ne me fera aucun cadeau. Merde, je suis coincé. Je peux pas aller là-bas parce que sinon elle va me défoncer sa race. Et là, je pense pas que j'en sortirai avec un petit coup dans les couilles. Si je vais là-bas, de toute façon, je pourrais même pas essayer de passer les flics. Merde, je fais quoi, moi? Bon, bah, essayons de reparler au capitaine. Peut-être que le capitaine aura quelque chose de plus à me rajouter là-dessus. Ah, c'est un point and click à l'état... Back again. What can I do for you? Apparently, the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island. But I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. You're back again. J'ai déjà testé. What can I do for you? Ça m'a pas donné grand chose. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Je crois que j'ai sauté une étape. Et merde, j'en fais quoi? That's no way to treat an omen. Oh yeah, he's gonna get us into trouble. You didn't tell me that the warehouse I was looking for was right in front of us. Because its owner is dead, and I don't want to see you hanging around it. Now please,
Leave us to our work. You can't understand. Don't put that beast back in the water, you shysters! What could have done so much damage? You can't understand. What could have done so much damage? Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! The cops, they can't understand. Merde. Comment je fais, moi? Je retourne là-bas, je retente le coup? Ah, c'est pas possible, il y a un truc. Il y a un truc. Il y a forcément quelque chose que j'ai zappé. Il y a un truc que j'ai dû zapper. Genre un élément, quelque chose. Sur vous trois, brother, vous trois, les le triolet de branquignol, il y en a certainement un qui va me donner une réponse. Je suis sûr que vous espionnez pour le compte de la patronne. Il y a forcément quelque chose. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Encore une fois, m'approche pas toi. What? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. It's just that standing guard in this alley makes your throat dry. That fool Fitzroy can't keep his dogs on a leash. I'll have to send him a more clear-cut message. Est-ce qu'ils ont l'air d'être occupés? Est-ce que je peux retenter le tout? Je tente, hein. Je ne sais pas. Au pire des cas, je fais un game over et là la partie est terminée. On recommence tout. Il y a forcément quelque chose. Je suis sûr qu'il a oublié un truc, quoi. Dire que j'ai que c'est tout, quoi. Que j'ai rien d'autre, que je suis bloqué là-dessus. Je peux pas avancer. Putain, merde. Il y a que ça, vraiment. Putain. Genre, c'est à portée, quoi. Littéralement. Au pire, je pousse, non? Je peux pas pousser? Genre, si je pousse, ça fait pas... Ouais, en gros, je me fais baiser. Bon, attention. Je vais sortir, je vais me faire baiser sec. 3, 2, 1. Ah bah non. Bizarre. Fermé. Je sais pas là. Là je sais pas du tout. J'ai beau essayer. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Je retente peut-être avec le flic. Je doute que ce soit le cas, mais on sait jamais. You again. No need. Non, 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 le flic dit non, le flic dit non. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Peut-être toi? Non, toi t'es le frangin du frangin du frangin. Ils ont vraiment pas creusé bien loin. Hein. Alors, pas d'éléments, rien de particulier à première vue. Je tente le tout, hein, on sait jamais. It's no use. The padlock won't give. Cthulhu, tu peux pas me donner un coup de main, s'il te plaît? Saint Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Hey. Je ne sais pas. J'en sais foutrement rien.
J'ai pas d'idée de ce que je dois faire, j'ai l'impression que le jeu est bloqué. Il y a une raison, je suis sûr, il y a un truc. Alors toi, pêcheur. Pêche. Avec ton... ta canne à pêche buggée de l'infini. Forcément un truc, quoi. Il y a forcément quelque chose, je veux dire. Je retourne voir encore une fois le capitaine. Je suis sûr que c'est parce que j'ai pas fait encore, j'avais pas écouté la conversation de 4 que j'avais. Back again. Oui, mais voilà. What can I do for you? I shall be on my way. So. Non, toujours rien. Mais merde. Vous peut-être les glandus. We're at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him, that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. Well, I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean they're going to cut you open, you idiot. Calm down. We're no longer at home on our own island. Shit. Calm down. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Oula. Je t'ai téléporté en 15 secondes, en un dixième de seconde. Juste parce que j'ai donné un coup de pied. Casse les couilles. Bon. J'ai pas le choix, hein. Do you like our song? We met. Connais, histoire de famille Hawkins. I heard the Hawkins. And all they were made to swear not there. It's I'm not rien. Bon. Je pense qu'il faut que je me prenne des coups de couteau vraiment bien profonds dans la gorge pour que ça fonctionne. Alors on va espérer, hein. Hey, bonjour. Mitchell, a drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah, aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. Something that I respect. So understand by that. If I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? On te laisse un choix comme ça, bordel de merde. Oh, c'est pas vrai, quoi. Je sais que ça va me tomber sur le cul. Je sais. Mais je sens que si je mens, ça va finir pire que ce que je pense. Alors. I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly. But it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. Vous n'êtes pas la seule menace. Si c'est ça la question, je sens que ça va finir mal. Is that more dangerous than having a drink with you? I'm not kidding. The old families, they were here long before us. Oh, and they'll be here long after we are gone. Oh, the old families. The descendants of the first whalers. These people truly worship their ancestors. Oh. I've got a few questions about the island. I'm not here to give you information. Mitchell will tell you what he wants to tell you. Et avoir un coup de main? I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Est-ce que tu te moques de moi? Allez, some guts. Think it over. I've seen what you're capable of.
And you didn't miss me. I accept the compliment. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. The devil deal. le devil deal. Bon, comme la flicaille a l'air de me faire fuck you. Les marins ont l'air d'être des véritables sacs à vin. Essayons d'être du côté de ceux qui ont la binouze. Allez, va. Do I have a choice? Oh, we always have one, detective. Nique-toi. Je sais que je devrais pas le dire, mais bordel. Bien sûr, je ne sais pas. Parce que je suis sur un putain de clavier, je ne peux pas me déplacer à une vitesse plus ralentie. Je suis désolé, c'est absolument pas pour mettre sur une boule. Mais si je vais, mais si je me mets debout, je vais... Voilà, si je me mets debout, je vais... Voilà, je suis obligé de faire ça, c'est très chiant. Autant pour vous que pour moi. Donc autant que je me mette accroupi. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit. And nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Ouais, donc ceux qui ont de la, ceux qui ont la binose, quoi. He's with me. Voilà. Je savais que leur mentir, c'était pas une bonne idée. Bon, après, j'ai fait un putain de devil deal. Je sens que ça va se retourner contre moi à un moment parce que... j'espère... Franchement, je m'attends à beaucoup de choses de la part de jeu. Peut-être que je m'amarre trop, hein. C'est quand même un jeu qui a eu... enfin, dont on m'a dit qu'il y avait des énormément de pas énormément de restrictions, mais qui était assez serré. Assez strict. Ça te va, princesse? C'est restrictif sur certains points, donc on verra bien. Wow, l'ATP. That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. D'accord, donc en gros... Bon, on va les couilles, hein. C'est, tu me regardes même pas par-dessus mon épaule, je sais pas, je vais faire dans ton... This place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Reconstitution. Entrer dans une scène de reconstitution, maintenir... Oula. Wow! Oh, on va se la jouer Batman. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? It smells as bad as it looks. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? J'ai pas fini. Can't sleep. I know how that feels. Le petit Parisien. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? What happened here?
bizarrement pas un seul connexion. Ah. Yeah! Alors. Agent Pierce, investigation, le médecin d'un baume à me répéter. Alors, Fitzroy m'a conseillé d'aller rendre visite au capitaine Vaughan, a proposé de partager les documents de Fitzroy, ne m'ont rien révélé. Une bande de contrebandiers occupe la zone de l'entrepôt. J'ai fait un pacte avec Kate, elle me permet donc... Oui, non. Donc, Pierce. Oh, j'ai un point supplémentaire. Ouh, 6 points. J'avais dit qu'il fallait absolument que... Voilà. Maintenant, je suis à 3 sur 3 partout. Yeah, ça c'est bien. Ça c'est génial. J'ai rien d'autre. De toute façon, j'ai rien d'autre, donc validé. Oui. Niveau santé mentale, je suis... Ah, cauchemar. Pierce est un vétéran de la Première Guerre mondiale. Il a participé à l'offensive Meuse-Argonne. C'est un des rares survivants du bataillon perdu, un ensemble d'unités américaines lourdement. Ah mais non, ça je l'avais déjà lu dans le premier épisode, qui va de loin. Alors, on a quoi? On a... L'homme d'affaires, Stephen Webster, Charles Hawkins, Sarah Hawkins, Simon Hawkins, Roy Mitchell, James Fitzroy et Kat. Dans les lieux, on a l'agence, l'île de Darkwater, le port de Darkwater, la baleine échouée. Et dans le culte, on a l'art de Sarah Hawkins, la pêche miraculeuse, le Saint Brédan. Je ne vais pas tout lire là parce qu'il y a beaucoup de choses que je suis. La lettre de menace, le manifeste de fret, la photographie du capitaine Fitzroy, l'entrepôt, c'était ça que je voulais savoir. Officiellement utilisé depuis le décès de Charles Hawkins, cet entrepôt a réellement accueilli un habitant clandestin, des traces de vie en attestent. Doit être aussi noté la présence de bandages ensanglantés, probablement retirés d'une blessure et de médicaments antidouleurs de somnifères. En outre, la personne qui occupe le lieu semble obsédée par Sarah Hawkins. Comme le confirme la présence de plusieurs documents en rapport direct avec la vie de l'artiste. Photographie, coupure de presse. Mais c'est la découverte d'un tableau en partie calciné, reconnu par l'agent Bradley comme provenant du manoir Hawkins. Comment ça, reconnu par l'agent Bradley? Mais de lever les derniers doutes quant à l'allure entre le couteau, je crois que... Je crois que j'ai vu en avance, excusez-moi. Je crois que j'ai vu en avance. Chapitre 1. Ah oui. Oui. Chapitre 2. Inventaire. Découverte. L'affaire résolue. Les somnifères. L'apprentissage de la santé volume 2. L'apprentissage de la santé volume 1. Bref, on a déjà tout vu. On a déjà tout lu. On a déjà. Qu'est-ce que c'est que cette. Ah, et je peux pas retourner dans la voie de la Constitution. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. Ah. I told you to stay away from this warehouse. Combien de temps? 43 minutes. Ouais, ça va, j'ai encore un peu de temps. Ouh! Ouh! Allez! Quelqu'un d'autre s'intéresse aux Hawkins? Non. On va faire déjà le quelqu'un d'autre s'intéresse aux Hawkins. Look around you. Someone has settled in here. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. C'est ce que je disais. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car is parked down the way. Okay. Andrews, would you please shut the door?
Open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. Ouais, en même temps, ton nez. Damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why are you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins Mansion. Come on, we got some driving to do. Well... je suis tenté de stopper là. Il y a eu beaucoup de retours en arrière, c'est vrai, mais en même temps, on a quand même pas mal évolué là. On était vraiment à la limite en fait de passer pas très loin du chapitre 3. J'aurais peut-être pas dû couper aussitôt. Ah, mais bon. J'ai complètement oublié de lire le chapitre 3. La partie 3. Bon, excusez-moi, je suis pas très bien réveillé. J'ai passé une journée assez fatigante, excusez-moi. On laisse la cinématique. Here we are, Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Je vais finir cette conversation, juste celle-là, parce que je pense qu'il y aura une petite sauvegarde. Je croyais que le manoir avait brûlé. Vous n'êtes pas le premier à me parler de ce Winchester. De quoi doit-on se méfier? Ne traînons pas. Ne vous connaissez bien les lieux? Mais cette maison est en tombe en ruine. Vous n'êtes pas le premier à me parler de ce Winchester. Your partner Andrews warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Ah, j'ai des questions. Si tu me laisses l'autorité de tes questions, je... Oui. Score suffisant pour objet caché, je croyais que le manoir avait brûlé. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion or do you have other questions? J'ai des questions, Charlie, tu vas me laisser les répondre. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go, right? Non, non, non. Dernière question.
Et enfin, avant-dernière question, et après je te ferai le score d'investigation. You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Une dernière. T'as l'air de bien connaître les lieux. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Non. Et ce sera, je pense, tout ce que nous pouvons faire pour aujourd'hui. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Allez, va. Why not? You can help. Right. Let's go. Salut à tous.